Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max. La chaîne du Japapé du Guérin, ouais. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner des infos sur mieux et tu. J'ai ri pourquoi? Parce que Valérie, Zomobem a posté une vidéo, vous savez, sur le cas de Charlotte Dipanda. Ça d'abord. Ça a attiré l'attention des gens l'autre jour qu'elle est sortie de la page de Sabrina et dansait avec Sabrina. Elle était très mince, skinny, un genre là. Les gens se sont dit, hein, mais c'est qui ça? Les gens ne l'ont pas reconnu. Donc alors, elle est sortie, sa version, c'est qu'il y a plusieurs versions pour sa nouvelle corpulence. Sa version, c'est qu'elle est mariée à un sportif et du coup, elle fait trop le sport et elle contrôle son alimentation. Ça, ça part de version là-bas, oui. Bon, l'autre version que les gens avancent, on a, que les gens avancent, c'est que le gars, si, la daba, comme elle a d'abord les antécédents, vous savez, que vous rappelez que Cédric Doumbé était venu dire qu'il dabaait son ex là et tout, son ex aussi était sorti et parlait. Donc, les gens disent que c'est que il daba notre diva, Charlotte Dipanda. L'autre va maintenant alors Zomoben qui vient avec sa part de version. Sa part, ça va vous faire rire seulement. Hein? Écoutez. Les Charlotte Dipanda, ce sont les filles qu'on utilise avec notice. Le gars est tombé, tu appuies fort, tu appuies très fort. La femme écrit. Et on t'a dit que c'est une fille bêtise. C'est nous les filles bêtises qu'un gars te fait même 10 fois. Tu es toujours là, tu pompes même l'air. Une fille doit là, les filles là ne supportent pas. Charlotte, c'est elle est là pour chanter. Bonjour à tous. Moi, je fais cette vidéo pour m'adresser au mari de Charlotte Dipanda. Mon frère, Mboyam, et toi, Pony. Je viens vers toi pour. Les gens se plaignent. Hein. Charlotte a beaucoup maigri. Les filles douala ne sont pas faites fortes pour faire. Les filles douala aiment crâner. Charlotte Dipanda, elle sait chanter. L'autre là, elle ne connaît pas. Baisse la tension, mon frère. Les gars étonnent, on se plaint de vous depuis que nous on était les petites filles. Si un gars étonne monte sur toi, c'est les filles bêtises qui vous supportent. Qui est parti prendre une fille douala? Ah ah! Voyons. C'est quelle tension que tu mets sur Charlotte que elle a perdu la moitié de son poids. Fais doucement. Utilise l'enfant là avec précaution. Les Charlotte du Pardon, ce sont les filles qu'on utilise avec notice. Le gars est tombé, tu appuies fort, tu appuies très fort. La femme écrit. Et on t'a dit que c'est une fille bêtise. C'est nous les filles bêtises qu'un gars te fait même 10 fois. Tu es toujours là, tu pompes même l'air. Une fille doit là, les filles là ne supportent pas. Charlotte, c'est elle est là pour chanter. Non, baisse la tension. Vraiment, utilise cet enfant avec méthodologie. Hey. Charlotte dit pas là. Elle avait les joues. Hey. Je pleure. Tu utilises mal la fille là. Elle n'est pas là pour faire l'amour comme ça. C'est pas une fille bêtise. Tu es parti prendre une fille de voilà. Les filles de voilà, c'est pour crâner. C'est pour chanter. C'est pas pour. Tu fais juste ça 4 fois, 6 fois. C'est quoi? C'est quoi avec la voix des gens? Tu crois qu'on va te laisser utiliser Charlotte comme ça là, on ne va rien dire. Donne la bouteille avant là. Arrête l'autre là. La question que tu es musclé, tu la vois de tout, oui. C'est quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On va se taire jusqu'à quand? Tu as épousé Charlotte pour faire comme tu fais là? Tu fais 4 fois, 6 fois qu'il y a quoi? La fille là n'est pas forte là-bas. Et quoi, je m'en dis? La question que tu es musclé, c'est quoi?
qui nous provoque? Qui nous provoque? C'est quoi? On t'a fait quoi? Au lieu que la femme maigrit, qu'il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est quoi avec toi? On fait des réunions sur ton nom, hein? On fait des réunions. On fait les réunions avec ton nom, c'est quoi? Tu ne peux pas utiliser la voix des gens comme ça, c'est quoi? Le gars, il tourne, c'est quoi? C'est quoi? On t'a donné chez l'hôtel, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu fais la boxe sur la femme là? Laisse la quantité que tu fais là. Les filles doivent là, c'est les filles que tu donnes la nourriture, tu donnes l'argent, et pas chanter. Ne fais pas trop l'amour, c'est quoi? C'est quoi avec la femme déjà? C'est quoi? On fait des réunions avec ton nom, hein. Le gars est donné son nom. C'est trop. C'est trop. Arrête ça vite. Vous avez suivi, non? Donc, pour elle, sa version, c'est que c'est le Mougouli qui est en train de rendre Charlotte Dipanda comme ça. Que Fernand Lopez, vous savez que c'est un sportif, il est costaud comme ça, là, un lutteur. Donc, que Charlotte Dipanda, que Fernand Lopez est en train de tellement mougou Charlotte Dipanda qu'elle a maigri. Il dit que les filles de Allah ne sont pas faites pour le Mougouli, que c'est. Et son âme va vous chanter et faire le nyanga. Ouais. Aïe. Ben, tu vas finir avec moi un jour. Non, elles ne sont pas comme les eux là. Elles sont les rococo. Oui, elles sont blindées. Oui, dès la naissance, on les blinde avec le Mougouli. Oh, hein. On voit plusieurs versions. Donc maintenant, alors, les internautes sont sortis maintenant. Donc, les internautes sont sortis maintenant sur Fernand Lopez. Oui. On insulte Fernand Lopez. Vous entrez dans la page de Fernand Lopez. N'importe quel post qu'il fait, les commentaires de ça. Ah! Oh, on ne va pas te rater, même dans les calebasses, on ne va pas te rater. Ah, oh, tu oses faire ça à notre diva. Ou bien tu penses que ça, c'est Céline Dion que tu as épousée. Hein, c'est monté. D'autres disent, d'autres opinions, c'est que. En tout cas, c'est aussi bien fait. Là, maintenant, elle va revenir nous chanter comme d'habitude. Tout le monde veut seulement que les femmes qui sont mariées reviennent chanter. Oui, parce que même le même cas sur l'autre, comment on appelle celle-là? Hein? L'autre qui... comment on appelle cette chanteuse ça? Pourquoi le nom m'échappe comme ça? Oui. Hein? Le nom de la chanteuse, elle m'échappe. Elle aussi, elle est dans, il paraît, il y a des soupçons qu'elle est en instance de divorce. Hmm? Nabila, oui. Il y a les soupçons qu'elle est en instance de divorce. Que son truc, ça ne va pas. Parce que, bon, on ne sait pas quel fondement, tout ça, juste parce qu'ils sont partis sur sa page de Facebook. Elle a éliminé toutes les photos du mariage qu'elle a avec son gars. Les gens ont dit, eh? Donc, ça un peu, vous comprenez un peu, ça a alerté les gens. Quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté là aussi. Hein? Donc, non, ça va, qu'elle revienne chanter, Mon frère, quand elle chante, vous dites qu'on ne veut pas se marier, pas ça chanter. Mais dès qu'elle part se marier, il faut qu'elle revienne chanter. Donc, vous avez un peu, les opinions sont divisées, on ne sait pas vraiment la vérité. Nous, on espère vraiment que ce n'est pas que Fernand Lopez soit en train de transformer Charlotte Dipanda en sac de boxe. Hein? Un sac d'entraînement. On espère, moi j'espère. Parce que celui-là, il a. Ah yeah. Son curriculum est un peu bizarre, c'est Fernand Lopez. Attention, oui. Voilà. Mm-hmm. Je me suis indiqué qu'il est parti prendre une fille. Voilà, tu voulais qu'il vienne prendre une fille. On est votre tribalisme là, toujours. Mais tu as le tribalisme devant. C'est comme ça. Ça, c'est une femme très tribaliste. Zomobem que vous voyez là. Tribaliste, le feu sort seulement. Oui. On ne sait pas ce qu'elle fout en bengue depuis. Hein. Une femme qui est intelligente. Hein. Cette femme est intelligente. Cette femme a eu à écrire des livres. Mais mon frère, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Tu ne peux pas savoir. Elle a bu sa vie dans la sauce seulement. Ce mot même que vous voyez là. Je dis, mais tu peux raconter aux gens que ta vie c'est quoi? Elle ne peut pas te dire quelle est sa vie. Ce sont les gens qui sont là comme ça. Ne représentent rien. Eux-mêmes ne savent même pas par où ils partent. C'est comme ça.
En tout cas, hein, moi j'ai un peu ri. Hein. Avec elle, on rit toujours parce que là, souvent, ses propos un peu, vous comprenez un peu bidon. Les propos du quartier, comme on dit là. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa pente, surtout ne mettez pas les organes. Entendons voir. Le plus important, c'est que notre Charlotte est toujours en vie. Et il paraît là en bonne santé. Si elle n'est pas en train de nous cacher des choses.